Cape Town, chers téléspectateurs, shalom peuple de Dieu, vous êtes branchés connectés dans l'émission Espace Dialogue avec moi, Josué Boloa. Alors, nous sommes ici dans l'occasion d'un événement qui se tient actuellement, maintenant là, Power Praise, là où nous voyons notre frère Jude Mbenga, frère Bea Kapanga, sœur Viani Kabuya, Siska Kabale, notre frère Alex. Donc, c'est, je vous dis, vous allez vivre l'ambiance. Mais sur ce, na tombé na beti libaku na artiste mongo na luka ki telme belé maman bijou hein ça va maman ça va très bien merci ah ki manga melo na zuyo hmm makasi hmm est-ce que batwa ndi mateko yemba yemba penza ti hmm on a kumanzambe bien sûr on a kumanzambe hein bon mona calme on temba très bien vraiment merci pour natana yo j'aimerais juste prendre un peu mbango parce que album ozo s'apprêter kalamingité. D'abord, j'aimerais que tu te présentes à ma téléspectateur Bolanda. Ok. Moi, je suis la sœur Bijou. J'habite ici à Cape Town. Je suis chante de l'Éternel. C'est tout. Mariée. Je suis mariée. Voici ma bague. Yeah. Je vous ai dit non, quand je reçois une artiste, moi si mariée, je suis mère de. Donc fils. Ok. Yeah. Voilà, très gentil. Maman Bijou, normalement, mm-hmm. C'est la musique qu'on fait. Tu as commencé ça comment? Yeah, bon, j'ai commencé la musique ici. Hein. Moi, je n'ai pas commencé au pays comme les gens disent. Mm. Moi, j'ai commencé depuis le bas âge. Non, en tout cas, moi, j'ai commencé la musique ici à Cape Town. Non, à Johannesburg, pardon. Franchement, tu es honnête. Hein. Oui, franchement, oui, c'est pas donné à tous les artistes. Deux ans, huit ans. À l'école, mais on nous dit que tout le monde passe comme ça. Moi j'étais venue pour l'école d'abord à Johannesburg et c'est là où j'ai commencé à chanter parce qu'en fait c'était un désir pour moi de chanter et je n'avais pas eu la chance de chanter au pays parce que mon pasteur ne voulait pas comme j'étais encore trop jeune et à l'église il n'y avait que des grandes personnes à la chorale alors je n'avais pas eu la chance. Mais quand je suis arrivée ici à l'église dont je priais, on cherchait les musiciens et j'ai voulu aussi essayer comme c'était quelque chose qui venait en moi et aujourd'hui je suis devenue chanteuse.
Ok. Yeah. Alors je dis maintenant tu es une chanteuse de l'Éternel. Je chante de l'Éternel par la grâce du Seigneur. Okay. Yeah. Maintenant tu n'es pas adoratrice. Hein? Tu n'es pas adoratrice. Mais adoratrice bijou. Chantre. Quand on dit chante de l'Éternel, c'est quoi? C'est toujours dans l'adoration. Si j'étais seulement chantre, ça allait être une autre chose. Mais je dis chante de l'Éternel. Donc adoratrice, donc c'est ça. Voilà, l'événement est bien organisé, managé par notre frère Joël Mbenga. Je crois que nous allons lui dire, va nous parler comme Mamba ou qu'on a web Sabiso. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette initiative de Power Praise dans Kata Cape Town Hour? Et maintenant, tu as commencé à chanter ça Cape Town? Non, à Johannesburg. À Johannesburg yeah, d'abord. Yeah. Et puis tu es venu ça Cape Town. Ça fait un bout de temps que tu es là. Oui. Et qu'est-ce qui t'a motivé à chanter, à entrer dans cette carrière musicale? Oh, ok, bon. C'est en fait, comme je dis, c'est le temps de Dieu d'abord, parce que c'est le Seigneur qui choisit. Je ne peux pas me choisir moi-même. Parce que si c'était, il s'agissait de moi-même, peut-être que c'est depuis le pays que j'allais le faire et tout. Alors le Seigneur sait comment il prend des gens, il sait comment il veut utiliser la personne. Donc c'est ça, moi-même je ne sais même pas, je ne saurais même pas d'expliquer comment est-ce que le Seigneur m'a appris pour donc et c'est ça. Mais tu as quand même une histoire avec ces dieux là où est-ce qu'il t'a ramassé, comment tu l'as connu? Oh, le Seigneur, en fait j'ai connu le Seigneur depuis le pays. Je suis baptisée au pays, au Congo, et je suis brazzavilloise, je ne suis pas de la RDC. Donc c'est ça, c'est depuis le pays que je me suis baptisée là-bas et puis je suis arrivée ici. En fait, j'étais dans une église catholique avant. Et une fois, on m'a invitée juste dans une église de réveil, juste pour pas chanter, mais juste comme ça, une invitation. Je crois qu'il y avait un séminaire à l'église. Je suis allée là-bas et c'était même pas la parole, c'était seulement l'adoration. J'ai été touchée par l'adoration. Raison pour laquelle je conseillerais nos frères et sœurs, vraiment, il serait mieux quand nous l'adorons, c'est avec un cœur sincère, car il cherche des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Moi, j'ai été touchée juste par l'adoration. C'était même pas la parole de Dieu que je me suis convertie, juste l'adoration. Et après le culte, j'étais au pasteur, par ça, je me sens vraiment touchée. Tu regardes la caméra. Je me sens vraiment touchée et tout, donc c'est ça. Dans cette puissance de l'adoration, c'est là maintenant que. C'est comme si quelqu'un dirait que non, tu as été touchée. Est-ce que tu as fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur? Bon, quand j'ai été touchée directement, je suis venue voir le pasteur après le culte. J'ai dit au pasteur, vraiment, je sais pas, je me sens touchée, la présence de l'adoration. Donc j'ai senti quelque chose d'autre. Et le pasteur m'a posé des questions. Tu es baptisée, tu es née de nouveau? J'ai dit, bon, je viens d'une église catholique. Donc, je viens d'une église, vous connaissez tous l'église catholique. Donc c'est ça. Mais après, le pasteur m'a suivi. Il y avait le temps, mais des enseignements, des encadrements. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Ok. Ce que j'ai aimé avec toi, c'est l'honnêteté. Tu n'as pas commencé au bas âge. Tu as commencé tant que mon colombo. Déjà une maman. Tu connais Belanza, mais maman, t'es parce que c'est là moi j'étais venue pour l'école parce que j'avais qu'on a retanga. C'est quand j'étais à Johannesburg. J'étais pas maman comme ça. Ok. Hein? Parce que si j'ai totalisé, je crois, 13 ans ici en Afrique du Sud. Ok. Donc j'ai 13 ans ici en Afrique du Sud. Mais j'ai commencé à chanter, je crois, quand c'était en 2007. Ah, ok. Donc, c'est presque une dizaine d'années même. Ok. En tant que chanteur, il y a un album. Tu as senti cette passion-là de chanter pour le Seigneur. Maintenant, cette passion-là, c'est où? C'est où maintenant? Tu te retrouves où? Est-ce qu'il y a un album? Tu es en au studio? Oui. Je suis en pleine préparation de l'album. Mon album, c'est Get Ready. J'ai plus parlé de. Get Ready, c'est en anglais, non? C'est Sois prêt. Sois prêt. C'est ça en français même. Bon, je l'ai mis en anglais parce que nous sommes dans un pays anglophone. Ça, c'est d'abord la première des choses. Donc, c'est ça. Mon album, c'est Get Ready. Et je n'ai pas encore fini parce que je suis encore en train de travailler parce qu'il y a 8 titres. Mais j'ai déjà enregistré 5. Il me reste 3 autres que je veux faire soon là, à bientôt. Par la grâce du Seigneur, toujours. Donc, c'est ça. Un acapella parmi les chansons. Il y a une chanson là que tu m'as béni dans un concert à Yalipanda. C'était encore. Tu te rappelles encore de la chanson question? Tu peux faire ça? C'est Milengela, Milengela, c'est là. J'ai parlé de Milengela. C'est aussi parmi le temps de Milengela.
d'être prêt, quoi. Parce que tout ce que nous faisons ici sur terre, je peux être adoratrice, je peux être si bon zambé zate. Donc je crois que voilà, j'ai voulu dire aux gens que tout milengue là tant ils ont mouqué ngonga ils ont mouqué tout ça, n'attend qu'on perd dans des futilités, dans beaucoup de mauvaises choses. Alors c'est ça, je crois, même par la grâce du Seigneur, ça sera la chanson même à laquelle je vais lancer parmi mes chansons. Sœur Bijou, c'est un réel plaisir d'être avec toi. Moi également. Mais avant de te laisser, comment tu conçois l'adoration aujourd'hui dans les mondes chrétiens, dans les églises? Quelle est la place de l'adoration, toi, en tant que chanteuse? Tu fais partie aussi dans les groupes parmi les chanteuses aujourd'hui. Comment tu observes l'adoration? Ça y est, ça ne va pas. Le comportement des adorateurs et des musiciens, ça se passe comment? C'est très triste, une triste réalité. Ben, moi, je dis que je prends pas ça mal, parce que la Bible nous provient même. La Bible nous dit déjà que vers les temps de la fin, nous allons voir beaucoup de choses, et ce que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est écrit, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. Donc c'est ça. Mais ce que je peux dire aux gens, c'est seulement que d'être sérieux avec ce que nous sommes en train de faire. Nous, des moments comme ça, si nous nous sommes donnés. Alors donc c'est ça. Donc c'est un Dieu réel, c'est un Dieu qu'on ne peut pas jouer. Pour ceux que Sakani les l'autre, demain le Seigneur va toujours exposer. Il y a un gros monde, quelque part, on est en train aussi d'exposer beaucoup de gens. Parce que cachette. Les gens ne sont pas sérieux dans les choses de Dieu, donc c'est ça, le Seigneur va exposer. Et surtout vous les musiciens, surtout nous les musiciens, je te dis, ce titre là qu'on dit musicien, tu te gênes même un peu d'être parmi les musiciens, parce qu'il y a trop des choses qui se passent, que ce soit les musiciens d'ici, que ce soit les musiciens du pays, des témoignages pas bien, mais vraiment on doit faire un effort. On sait, faisons un effort. La vie chrétienne n'est pas facile. Personne ne dira que la vie chrétienne est facile. Non. Tous au Bunda. Alors tous au Bunda, faisons un effort d'être toujours. Parce que lorsque nous regardons, Nous avons dit que nous avons un effort de persévérer, quelle que soit difficulté, quelle que soit influence, pour moi que les lois n'ont pas sali, pour moi que au landalok, au yébin zela, au yazwa qui était pas comme à niveau un. Et donc c'est ça. Soyons patients avec le Seigneur nous bénira. Amen. Salutations à votre monde de la fin, à bas téléspectateurs, bas amoureux à musique chrétienne, au bas yébin, au bas malandagayo. Oh, je salue vraiment tout le monde. Je salue plusieurs personnes. Je salue les pasteurs de Cape Town. Je salue Grâce. Je salue plus. J'ai beaucoup de gens que je ne saurais même pas citer. Il y a Grâce qui est là à mes côtés aussi. Okay. C'est une petite bien que j'aime aussi. Bien. Et je salue aussi les pasteurs de Cape Town. Il y a plusieurs personnes que je ne saurais même pas citer. Et je salue mon mari. Papa est là où moi je cite le nom. Là, il faut citer. Hein? Il faut citer. Dans les banques, elle a confirmé. Vraiment. Hein? Voilà, merci beaucoup. Nous attendons impatiemment l'album. Vraiment. Ou les singles. C'est pour quand? Parce que nous allons venir sur nous bientôt. Bientôt ou année 2019. Papa Nangaï, c'est dirigé par Nangaï. S'il s'agissait de moi, peut-être c'était depuis les années dernières. Mais quand ça dépend de Dieu, on attend le temps de Dieu. Donc, sois seulement patient, Papa Boloa. Sois seulement patient. Parce que moi, je suis déjà là. Quand je passe là sur ton émission, déjà, je suis béni. Parce que. Vraiment. Voilà, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de recevoir la sœur Bijou. Tout bien, on va bien regarder à Pongolo, il y a Bananzam. Voilà, on a voir. Tu seras bête, tu vas t'embrer à Pongolo. Tu n'as pas été ton modèle. Quand tu voyais dans quatre musiques, c'était qui? Tu t'inspires à qui? Moi, j'aime Dena. La sœur Dena, c'est elle que j'aime plus. C'est la sœur Dena que j'aime plus. La manière dont elle chante. Il faut que tu travailles. Je te dis, les gens facilitent maintenant au Comaka avec le travail. Surtout, nous avons dit que nous cartonnons Saint-Esprit. Donc, je te dis, ça ne va pas. À part elle, il y a d'autres mamans que tu t'inspires. Oui, il y a plusieurs. Elles sont beaucoup, elles sont nombreuses. Tu vois, on a quitté ton nom de Kondima, je ne sais pas. Colonel, si on a bien dit, on a un tel, je ne sais pas.
tu condima. Opena frère Opena a convaincu en la musique chrétienne. Entre bon. Binou, entre nous. Entre binou. Il y a un problème, tu es battu, ça va pas comprendre parce que c'est une mission qui était pour les pénis. Bon, d'abord, moi, pour ce que nous faisons d'abord, à part l'art, il y a d'abord aussi notre façon de vivre. Parce qu'on peut chanter, on peut être des maestres, je ne sais pas, à niveau ni, mais moi, je crois que c'est d'abord le cœur d'être adoratrice. Parmi les cœurs et les mamans que j'aime, c'est maman Siska. Elle est même là, elle est en train de chanter. En tout cas, je ne parle pas de l'art, je parle d'abord dans la cause tu vois ce que nous faisons. Il y a beaucoup de gens qui sont dans peut-être l'orgueil, tu vois toutes ces choses là. Moi je crois que ça c'est pas l'important. Le plus important c'est le cœur de quelqu'un, hein? Donc c'est ça. Voilà, je vais laisser maman Bijou. Merci beaucoup pour votre papa Boloa. Moi aussi je suis très contente, merci beaucoup vraiment. C'est une grâce terrible pour moi d'abord, donc je te dis merci. Ok, voilà, maman Francine est de la Belgique. Je suis à Cape Town en plein concert de Power and Praise, là où notre soeur Vianney, frère Jude Mbenga, la soeur Siska, ainsi que le frère Alex et puis le frère Béa, ils sont là pour adorer les seigneurs, pour louer les seigneurs. Ils ont organisé juste une activité pour remercier le Seigneur pour la fin de l'année qui nous a protégés. Power Press première édition qui est sponsorisée par Nkuru. Nkuru, Mourou, vraiment merci. Que le Seigneur vous bénisse. Maman. Amen. On attend l'album, non? Oui. Avant décembre ou l'année prochaine. T'inquiète, je salue mon frère Josué, le frère Joshua. Lui aussi organise une grande journée. Papa Josué, on nous sent en balamon. Joshua, ça va? Oui, ça va bien, merci. Donc, on va pas et de là, donc, toi, bien, Arigen, Sima. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait longtemps. Oui, oui, oui. Toi, tu es vraiment un témoignage. Merci beaucoup. Tu es vraiment un témoignage. Il faut qu'il y ait une émission spéciale avec vous. Parfait. Mais j'ai voulu juste que vous puissiez, par le canal de cette émission, annoncer votre événement, en fait. Ok, le 30 novembre, on a un événement qu'on appelle Nazaya Yo Live Concept. Alors, c'est à Common Ground Church. In Weinberg. Alors, on commence à 17h juste, on commence. Et on termine à 21h. Alors, je vous invite, bien aimé, venez, on va louer l'éternel. On va adorer l'éternel ensemble. Nazaya Yo Celebration. Nazaya Yo Celebration. Il y aura des anglophones, des francophones. Oui, il y aura. Tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Quelques enfants de Dieu s'attendent. Bon, premièrement, je vous avais dit que je suis un témoignage. Alors, Dieu vraiment m'a donné un message, Nazaya Yo, qui vraiment dire que je l'appartiens. Avec l'accident que j'avais eu, alors je veux vraiment, vraiment, vraiment parler avec les chants. Parler avec les chants et parler avec mon témoignage, avec le nouveau chant que le Seigneur m'a donné. Pendant ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Et tous ces moments-là à l'hôpital, pendant que les tracts ou tout ça, qu'est-ce qui était dans ta tête? Qu'est-ce que tu voyais? Avant même de partir, j'ai eu un rêve. Que j'ai fait l'accident ici en Afrique du Sud, avec le Golden Arrow. Mais j'ai pas vraiment mis ça à cœur. Viens maman, tu peux passer, ça va. J'ai pas vraiment mis à cœur. Nous sommes en direct. Mais j'ai quand même prié. Mais avant ça, le Seigneur m'avait aussi donné la chanson que j'avais déjà récolte. Et après l'accident, j'ai écouté la chanson et je me suis dit non, le Seigneur parfois nous donne les chansons pour ne pas chanter seulement aux autres, mais les chansons que nous aussi, qu'on peut chanter à nous-mêmes aussi. Alors vraiment, c'est un témoignage, vraiment un témoignage. Un témoignage. Papa, on va avoir une occasion. Oui, pas de problème. Pour nous, que tu puisses nous relater comment cela s'est passé. Oui. Le Seigneur t'a tiré vraiment de l'amour. Il m'a vraiment tiré. Si c'était ton jour, tu allais déjà partir. Tu ne veux pas s'éteindre comme ça avec vous. Oui, ça c'est vrai. Parce que lorsqu'on a vu des photos, on s'est dit, hey, is our beloved, our brother, really is it him?
And like we're like, ah, is he dead? And the house, child, and the wife. We're like confused. Mais en te voyant vraiment, on s'est dit que Dieu est vivant. Je suis vraiment un témoignage vivant. Le Seigneur vraiment m'a tiré de la mort, moi et ma femme et ma fille. Il y avait des morts, il y avait beaucoup de blessés. J'étais blessé, j'étais vraiment, vraiment blessé. Ma femme aussi était gravement blessée. Mais notre fille n'était pas blessée. Elle était saine. Dieu nous a épargné. Dieu vraiment nous a épargné. Nous a pénaillé. Voilà, Nazaïe, le 3 novembre, n'hésitez pas. Il y a un album qui se prépare. Oui, l'album Nazaïe. Oh, Nazaïe. Nazaïe, c'est l'album. C'est pour le 30. Non, la sortie officielle aussi. La sortie officielle aussi, c'est Oh, ok, ok. We can't wait. Okay. We can't wait. Okay. Hein? Un bon frère qui chante très bien. Merci beaucoup. Je crois que Dieu voulant, nous serons là juste pour, participer aussi. Hein? Okay. Okay. Merci beaucoup, l'homme de merci Dieu. Merci beaucoup, hein? Frère. Merci. Vous avez à Bissot. Seigneur, nous te disons merci pour toutes tes bontés dans nos vies.